Ok, salut tout le monde les amis, c'est Pazou et aujourd'hui on se retrouve sur Arma 3 en mode Altis Life. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu de presse, c'est-à-dire en fait je travaille toujours pour Energy 12, hein, comme la dernière fois, comme le dernier épisode que vous avez vu sur Arma avec, avec notre ami, je sais plus du tout son pseudo, excuse-moi. Excusez-moi. Et donc en fait le but c'est un petit peu d'emmerder les gens avec des questions un petit peu chiantes et puis... voilà. Bonjour Monsieur Alexandre Gamer. Monsieur Alexandre Gamer, je suis ici à votre droite. Monsieur Alexandre Gamer, à votre gauche maintenant. Monsieur Alexandre Gamer, derrière vous. Monsieur Alexandre Gamer, j'ai quelques petites questions à vous poser. Je travaille pour Energy 12, s'il vous plaît, me foutez pas un vent, sinon ça me foutrait la honte. Bonjour. Eh oh, je suis ici. Putain, et je te parle. Connard, j'ai des questions à te poser. Mec, un enculé. Allô. Oui, allô. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Attention, vous parlez sur le canal où tout le monde peut vous entendre, vous allez vous faire tuer. Parlez oui, bien. Oui. Voilà. J'ai quelques questions à vous poser, est-ce que ça vous dérange pas de prendre un peu de temps pour moi? Non, ça ne me dérange pas. Voilà, donc je voulais vous poser des questions sur la sécurité à Kavala, vous en pensez quoi? Personnellement. C'est pourri, bah, hein. Il faudrait un petit peu... ouais. Ouais. Mais enfin, je sais pas, c'est pas pourri en fait, il faudrait juste un petit peu améliorer. Genre améliorer quoi? Mettre plus de putes près des arbres? En fait, il faudrait... Non. mettre des policiers autour de la ville, des trucs comme ça. Ah bah oui, mais quand il y a des policiers, le problème c'est qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Oh putain. Sauvegarde, désolé. Je voulais pas sortir mon arme, hein. C'est une sauvegarde. Et vous travaillez quoi dans la ville? Vous faites quoi comme métier? Vous faites... vous vendez des noirs, des roues? Vous vendez des choses comme ça? Ça se vend bien? Non, pour l'instant je fais rien vu que je suis nouveau. Ah d'accord. Et ah d'accord, vous êtes nouveau. Depuis combien de temps vous êtes nouveau? Depuis hier? Ah bah monsieur, partez pas, hein. Une dernière petite question. Vous êtes nouveau depuis quand? Tout de suite, dès maintenant. D'accord. Bon bah faites gaffe alors parce que là-bas il y a des loups-garous enragés qu'ils ont mangé de la vache folle. Faut faire attention. Voilà, bon. Oui, bonne journée monsieur. Ah monsieur Feka. Alors ça va, il vous a pas fait de mal le monsieur là-bas? Non, juste un ORP. D'accord, un ORP. Oh putain, c'est chiant ça. Ah. Et ouais. Vous avez du courage, vous savez. Parce que j'ai vu comment il fallait faire pour être engagé à la gendarmerie ou en infirmier, et c'est vraiment pas facile. Hein. Bon, allez, faut que je trouve des autres gens à questionner, si vous permettez. Voilà, bon. Lui, on va éviter trop de le questionner, la police, parce que j'ai pas envie qu'il me chippe mon arme, qu'il me mette en colle pour des conneries contre. Faut que je trouve quelqu'un qui puisse subvenir à mes besoins de questions débiles. Oh, Jean. Ça m'intéresse, ça, CDR. Monsieur CDR, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur CDR. Deux, trois petites questions à vous poser. Bonjour, je travaille pour Energy 12, j'ai des petites questions à vous poser. Je vois que vous êtes en tenue d'ambulancier, vous avez une pièce de presse. T'arrêtes. Je voulais savoir, c'est quoi votre métier exactement là? Parce qu'avec votre caquette de presse et votre tenue d'ambulancier, je me demandais, c'était quoi votre métier? Excusez-moi monsieur, s'il vous plaît. Oui, on va faire le questionnement sur le rebord de la route. Sur le trottoir par des mesures de sécurité. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Voilà, on va se mettre sur la place. Excuse-moi, j'avais pas temps. Qu'est-ce que tu me disais? Ah bah, je travaille pour Energy 12 et j'aurais aimé savoir quel était votre métier, parce qu'avec votre casquette de presse et votre tenue d'ambulancier, je suis un peu perdu. Oh, bon, rien, je suis au SAMU, écoute. Ah, vous êtes au SAMU? Je soigne les... Ouais, pour l'instant, je suis au SAMU. D'accord. Et vous y faites quoi? Mais et bah écoute, je soigne les gens blessés, hein, lorsqu'il y a beaucoup de trolleurs. Ah bah, je peux vous dire que des trolleurs, il y en a, hein. J'ai perdu 700 000 euros sur ce putain de serveur à cause de trolleurs.
Du coup, je suis Ah bah réduit c'est à possible. retravailler sur énergie 12 alors que je voulais plus, je te le jure. Je gagne 5000 par... Sinon t'as... Oui. Oui? Oui. Non, je voulais dire, je voulais savoir si... Enfin, tu me... T'as des questions peut-être? Je peux vous suivre? Ah bah je fais rien de spécial en fait. Ah, vous n'avez pas de... J'attends là parce que Vous n'avez pas de mission. je suis en manque d'argent comme Ah toi. d'accord. Et vous avez une camionnette, quelque chose du genre? Juste le SAMU... Non, parce que Pôle emploi du SAMU, le Pôle emploi du SAMU il paye bien en fait. Ah C'est pour cela. putain! Ah ouais, genre combien? Genre 3 000 de plus que vous. Oh sale! Ah vite! Ah bah moi je gagne 5000, vous savez, je gagne le salaire. Et vous me faites peur, vous, avec votre taser dans les mains à chaque fois. À chaque fois, je crois que vous voulez m'électrocuter. Vous savez, j'ai déjà assez de courant en moi, hein, comme ça. Je suis assez nerveux, ça se voit, je crois. T'inquiète, le taser ça te soigne. Une petite décharge et Ah ouais, ça ça me te donne plus met comme un soif, c'est vrai? défibrillateur, ça te met. Non, non, t'inquiète, ça te met bien, ça te met bien. Ah ouais. Limite, tu peux te mettre une dose de morphine aussi si tu veux, Eh t'inquiète. oh! Il y a un monsieur l'agent. Si, on va là-bas et on le fait si tu veux. Mais là, il y a monsieur l'agent. Je voudrais pas paraître malhonnête devant monsieur l'agent. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Monsieur l'agent, ne vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y, venez, venez. Morphine. Vas-y, je suis prêt. Injecte-moi. Je te préviens. Je te préviens, c'est pas très légal ce que je te mets. Ouais, Hein. vas-y. Il met un petit café maison. Si ça fait bander plus fort, ça Non, m'intéresse. là. Clac, clac. Tu sais, après, je pourrais faire de la batte de baseball avec ma bite. Oh, putain, mec! Je me sens choubiloute! Si tu vois des moutons roses qui enculent des licornes, c'est normal. Putain, y'en a un derrière toi, fais gaffe! Oh, on parle de juice! Oh, c'était super. Hey, faut... Oh, oh bah t'as disparu. Ah bah t'es apparu. Super. Merci, hein. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Bon bah je vais vous laisser alors, hein. Bonne journée. Bonne journée à vous. C'est totalement what the fuck, tu sais, même un personnage qui marche normalement comme ça, l'air de rien, en disant ouh. Qui a de la morphine? Hein, quoi? Non, non, moi je connais pas, non. Le flic qui débloque, il débloque. Qui est bloqué? Et t'es con Alexandre? Non, monsieur. Et t'es con Alexandre? Hey, Alexandre, c'est une tenue de réparateur que t'as là, je crois. Tu répares quoi, les trous de balles des gens quand ils se font taper trop fort? Alexandre? Oh putain, je travaille pour Énergie 12, section interdit de moins de 16 Tiens, ans. chef. Tenez, je vous offre des balles de sniper. Ah, j'ai que vous aviez perdu votre sniper. Tenez. Ah, vous faites souvent comme On ça se met des... entre de mauvaises mains, ça peut être Vous faites dangereux. souvent comme ça des deals de balles avec la police? Ah, faut pas le Ah dire. oui, je comprends. Ah oui. Monsieur Feka, vous êtes vraiment le policier infirmier que le plus cool que j'ai vu de cette île en tout cas. Oui, Je suis l'homme à tout faire, monsieur. Je suis le plus aimé Ah bah ici. oui. Et puis moi je suis. Je Vous suis savez, gentil et je suis musclé. Ah oui. Oh Et... putain, oh oui. Oh, je me prosterne contre vous. Vous... Moi, je peux vous faire une série de pompes sur de la musique de Rocky. Je peux vous en faire 45 de suite. Oh ouais. Oh, c'est fabuleux. Avec vos biscottos tout mouillés. Bah ouais, voilà, avec de l'huile dessus. Ah ouais. Oh, et puis je suis sûr que... Si tu veux, tu mets une petite musique de Rocky et tu verras un peu Oh l'ambiance. putain. Oh ouais, je m'imagine là, c'est avec la petite dose de morphine qu'il faut pas dire aux policiers que j'ai prise tout à l'heure. C'est fabuleux, putain. Ah ouais. Ah ouais, je m'occupe, vous savez, je m'occupe de l'énergie 12, la section interdite moins de 16 ans, alors du coup, je suis un petit peu... Je peux dire un petit peu ce qu'on peut pas dire habituellement en fait. Un petit peu tout tout Ah ouais, excité. oh putain, bah si tu savais, là j'ai pris 10 cm avec la morphine, alors du coup je bande à 32 cm là. Mais attention, je suis pas un mec Par contre, facile. moi... Oh, oh oui, oui, mais si je te caresse le dos comme ça, tu kiffes.
Non mais par contre, moi j'aimerais bien gagner plus que 5 000 $. Faut franchement que je trouve un métier qui rapporte plus que ça. Faut aller vendre votre cul, Ah bah monsieur. oui, mais bon, quand je le fais, le problème c'est que vous êtes là, enfin je vois que vous, malheureusement. Vous êtes mon seul client. Et vous payez pas parce que vous êtes le meilleur des policiers. Ah non. Moi j'ai ma femme, ça me convient très Ah oui, mais vous bien. savez, le week-end je joue le rôle de femme, hein, si vous voulez. Ah oui, mais t'inquiète pas, votre maman est déjà Ah présente. oui, j'ai pas de maman, mais c'est pas grave, hein, merci. Attends-moi, c'est beau papa, Ah moi. d'accord, oui. Oh, un quad. Oh oui, il faut le contrôler, lui. Allez-y, allez-y. Oh merde, c'est un flic. C'est mon collègue, Zut. monsieur. C'est mon collègue. Merde, j'avais pas vu. Tasez-le, Et vous pensez tasez-le! que je peux faire un petit tour de quad avec lui? C'est mon collègue, c'est Eh, mon collègue. monsieur! Oh, faut Ah mais non, payer, j'ai pas hein. de sous. Et s'il vous plaît, Oh reculez putain, du c'est quad. bon. Je Reculez du recule, quad, je s'il vous recule. plaît. Non, mais je comptais pas monter, c'est bon. Ah désolé, c'est un bug. Ah, et attention, je vais sortir mon arme sinon. Ah non, non, excusez-moi, je pensais qu'avec le bug, ça ferait sortir mon arme, mais non. C'est bon. Ouh, vous m'avez fait peur. Ouh, je crois que je vais vendre l'arme parce qu'elle est trop dangereuse pour moi, vous savez. Il est Sors tout pas ton canon, émoustillé, Rudy, le sors pas ton pauvre. canon, Ah hein, non, non, surtout, non, hein. sur mon canon, Sors vous pas allez ton devenir canon. tout blanc. Ah bah merde, vous êtes déjà tout blanc. C'est trop cool, mec. Bon, sinon on arrête quand les conneries là, bordel de merde. Monsieur, vous avez pas coupé vos phares, hein. Et monsieur Alexandre, vous avez encore changé de tenue? Dites-moi, vous êtes top modèle? Monsieur Alexandre? Oui, hein, Ah ouais, c'est un putain. Ah, moi, modèle. je vois qu'une chose sur vous, c'est votre putain de beauté. Oh putain! Eh, c'est réunion Tupperware ici avec toute la police, non? Vous avez ramor... Oh putain, vous avez rapporté le barbecue ou pas? Ah oui, il est dans le coffre le barbecue. Ouais, ok. On peut venir? Oh putain, oh putain, oh putain, dégage. Ah, il est fou! Ah, il va mettre le barbecue ici, je comprends mieux, ça va être plus simple pour manger. Il y a des tables ici. Allez, installez-vous, on va manger le barbecue. Non, c'est la Bah... fête là, c'est la disco là. Ouais, c'est la fête, mec. Yeah. Et on va tous à l'église faire la fête après. Moi j'ai une merguez et une patate. Ouais. Ah bah, et le moteur, il est assez chaud pour faire cuire. C'est bon. Allez, vas-y. Oh putain, alors, c'est pour qui la première merguez? Pour moi, c'est pour Tiens, moi, viens c'est la pour chercher, moi. je te la donne. Tu vas voir, ouvre la bouche. Je baisse ma braguette. Vas-y. Zou. Ah voilà, bon appétit. C'est quoi cette musique de putain de PD? Et la danse des Putain, merde, canards je vais avoir les s'entend au vent copyrights de sur la ma mare. vidéo, bande de Boule bas bâtards. des reins et son voile brun. Et Regardez comme les monsieur, petits regardez canards, monsieur, il faut comment que on est bien de la l'essence va aller plage. nous tuer du popotin. En tant point point, on présente claquer du bec. En secouant vos plumes avec Vous êtes beaucoup sérieux, monsieur d'empathie. l'infirmier? Allez, mettez-en un coup. Vous savez, je vais avoir des problèmes de copyright sur ma vidéo et que je vais pas Maintenant, toucher mon salaire. on est seul Putain, vous êtes trop fort. Pourquoi? Vous êtes sûr que vous êtes brigadier? Attendez, monsieur, je vais aussi dans Bon, je vous laisse dans votre délire, hein, parce que vous me faites peur. Ah putain! Il est ok, 20 pardon. Putain, il parle comme un robot. Vous avez reçu mon colis? Quel colis, monsieur? Et Daft Le Punk! colis 650... Oula, 6... Le silencieux 650. Ça vous parle encore de la chose d'hier, monsieur? Oui, j'ai fait en sorte que un de vos collègues puisse vous en rendre un. Ah monsieur, je suis en train de zoomer là, vous avez un bouton sur les nerfs. Ah ouais, c'est ça? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour.
d'accord, monsieur. Tiens, Sam, vas-y, viens sur le TS. J'arrive. Tu vas te faire taper sur les doigts, mon cher. Ou peut-être que t'auras une promotion parce que t'as bien dansé, hein. Putain, je lag. C'est quoi le bin? Arrêtez avec les gyrophares, sérieux, ça me fait laguer. Y'a pas de gyrophares. Si, 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 si. Bon, enfin, bref. Bah, si tu veux, tu peux enlever ton gyrophare, s'il te plaît, Sam. Bon, en tout cas, j'étais bien content de faire un reportage sur vous, hein, messieurs. Donc, le nom, ça sera Gape Ride Police, ça vous va? Je peux choisir autre chose hein, si ça vous va pas. Oh putain, qu'est-ce que vous êtes musclé, c'est vrai, putain. Rudy, regarde comment elle est belle, ah, la cathédrale. Ouais, 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 j'avoue, elle est classe. Hein. Avec les lumières, tout ça là. Avec ma GeForce Nvidia, je te jure, putain. Ouais, en fait, je vous explique. Dans mon œil droit et dans mon œil gauche, en fait, j'ai deux Titan Z. Oui, je suis un robot. Regarde. Oh. Et tu veux voir la lune? Putain. Regarde mon cul. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ah, monsieur Rudy, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai fini mon reportage ici, en fait. Vous avez aimé? Il y a que de l'amusement, monsieur. Il y a pas de méchanceté avec moi, vous savez. Arrêtez de me fouiller, par contre, ça m'intéresserait. Ah, je sais pas, il y a votre tête qui dit merde. Bon bah je vous laisse dans votre délire. Hein. Faites gaffe monsieur, c'est notre meilleur agent, c'est notre meilleur agent, c'est Robocop, ah bah oui, donc putain. Faites attention. Je regarde de votre temps monsieur. Juste avec ses yeux, il analyse tout ce que vous avez dans vos poches. Oh, je mets même, je vais mettre mes lunettes électroniques. Ah bah voilà. Ah, tu veux les voir en 3D? Oh putain, tu peux même voir tes vêtements, fais gaffe hein. Tu peux voir ton canon là avec. Ah là 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 là. Ah tu vois, je vois très bien. Ah putain. Ah et vous pensez que... Ah oh, c'est de la gendarmerie, ils sont pas aussi marrants hein. Bon et ben voilà, c'est... Je vais m'arrêter le carnage de cette vidéo ici parce que je vois que la police a vraiment une mentalité bizarre oui dans ce jeu. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, parce que moi personnellement, je me suis super bien amusé. Et puis, donc, comme je disais, si ça vous a plu, on remettra ça, un de ces quatre, très vite. Allez, à plus les gens. Oh yeah. Ça c'est du lourd ça. Attends, je vais... Est-ce que vous pouvez dire quelque chose avec votre robot? Dites abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci.